確かショパンさんはこれは自分の夢の中だっておっしゃいましたよね。でも夢の中でこれは夢だってしっかりと実感できるくらいなら、そんなに夢の中が現実的ならもうどっちが現実かわからないわ。それを証拠にあなたの魔法は通じなかった。え？私はテヌート村を出ようと考えていたんです。私は私の意志で行きたいの。たとえあなたの夢の中であったとしても、私の命があとどれだけ続くかはわからないけれど、この命をみんなが喜ぶことに使いたい。みんなの力になりたいんです。人々から死闘家と呼ばれても懸命に生きているこの花のように。Salut tout le monde, c'est Snipey44 pour la première partie de ce let's play sur Eternal Sonata, donc le jeu que vous avez choisi lors du sondage du prochain let's play que j'allais faire. Donc j'espère qu'au niveau de la qualité vidéo et audio, j'ai fait les réglages qu'il fallait. Donc c'est une introduction un peu particulière que j'ai faite là, je vous ai laissé découvrir en gros la vidéo qu'on nous montre dans le menu. Tout simplement pour vous montrer que le jeu est assez poétique et d'ailleurs assez... Il y a beaucoup de blabla au début du jeu, même pendant tout le long du jeu, donc il y a des moments où je vais pas pouvoir parler parce que comme vous avez vu, le jeu est doublé en japonais et en anglais, mais j'ai mis les voix en japonais. Donc voilà, anglais-japonais. Donc voilà, est-ce que de votre côté, au niveau de ma voix, elle est assez forte, etc. J'attends vos retours. Apparemment, Kaitoru ne pourra pas regarder le live parce qu'il a des soucis de connexion. Mais les autres personnes, est-ce que tout va bien chez vous au niveau audio? Donc je vais attendre un petit peu avant de lancer la partie. Moi, ça s'arrête toutes les 5 secondes, mais pas grave. Putain, ça c'est bizarre, ça, vos soucis comme ça. Ma voix un peu plus forte. Et salut à toi, Nightmare, au passage. Alors, ma voix un peu plus forte. Est-ce que là, c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? Parce que sur mon micro, c'est volé moins. Ça, on va pas le mettre, on va pas spoiler. On va être dans le menu options, tiens, en attendant. donc. Salut Rockpure. Ah, on m'entend plus. Ok, donc là, maintenant, ça devrait être plus fort. J'espère. À vous de me dire. Je vais retourner dans le menu histoire qu'il y ait un peu de son. Et puis après, je commencerai. Je suis désolé pour la petite attente, la petite mise en place. Ok, pas de problème, Kaitoru. Je comprends que tu as des soucis de connexion. Bye. Donc là, vous me dites que c'est mieux. Bah écoutez, je vais pouvoir lancer. Faut pas que ce soit trop fort non plus, hein. Faut pas qu'on ait l'impression que je crie. Je vais juste déplacer mon micro. Je vais mettre bien en face de moi. Voilà. Bon bah, je lance la partie. Et puis, je vais faire silence radio pendant cette introduction. なぜ、なぜなのだ。死すべき運命、そんなものに値するような罪を彼女がいつ犯したというのか。ほんの14歳だった。14年の短すぎる時の間、歌を愛し少女らしい夢に遊んでいただけではないか。忘れるものか。冷淡に流れゆく時が記憶をさらい、
紡いだ糸がちぎれるまでに細ったとしても新たな旅の始まりじゃの。エミリア。また終わってしまうのね。はじめまして。それともお帰りなさいかしら。私の一番大切な人のためだもの。今の私ならこんなこと何でもない。揺らめく水面が柔らかな朝日をスポットライトに変え舞台を彩り始めると火炎を待ちわびた花々は顔を赤や黄色に染めてこれから始まる演奏に耳を傾ける。川のせせらぎを伴奏にして小鳥が歌い始めると海からの意地悪なそよ風は木々を揺らしてコンサートの邪魔をする。悠久の時を超えて繰り広げられてきたこのいさかいは絶妙なバランスを保ちながら今もなお変えることなく続けられています。そんな幸福という名のせめぎ合いの中に一つの小さな村がありました。テヌートと呼ばれるその村は海から7キロメートルほど離れた小高い丘のてっぺんに位置し涼しげなそよ風と素晴らしい眺望と神様から授かっています。そして至る所に花々が咲き乱れ
その眺望に彩りを添えているのと同時に花の村と呼ばれるゆえにもなっています。夜となるとふもとにある港町の明かりが宝石のようにキラキラと瞬き、見る者の疑問を取り除くとさえ言われています。これだけの美しい村ですから、観光客目当ての露店などありそうなものですが、そのようなお店はどこを探しても見当たりません。それどころか村はとてもひっそりとしていて、その静けさが村の景観をさらにワンランク上へ押し上げているようです。Que c'était très long, mais c'est pas fini encore. Doste, umi ni wa nami ga aru no? Sore wa ne, otsuki-sama ga aru kara yo. Otsuki-sama?そう、月の魅力が海の水を波立たせるの。あまりにも美しすぎて海の水がざわめくのよ。本当？本当よ。お月様を見てると心が震えてくる気がしない？するこの水たまりもお月様が出たら波が立つのかな。ダメよ、水が少ないもの。海くらいいっぱいの水がないと波は起こらないの。ふーん、変なの。水の量なんて関係ないような気がするんだけどな。その水の量が一番関係あるのよ。特に人間に当てはめた場合には。この世界には月の代わりに心を乱す魅力を持ったものがたくさんあるわ。お金、見栄、地位、容姿、そして権力。それらに魅せられて人々は波立ち、そして疑心暗鬼がその波を大きくするのを手伝う。そう、人間が多ければ多いほど高い波が起こり、もっと多ければもっと高い波が立つ。そうやって争いが始まってしまうのね。あなたにはまだちょっと早かったかしら。でもね、そうなってしまったらあなたが海に飛び込むしかないかもしれない。そうすればきっと高い波も穏やかになるわ。少しだけ辛いけど、あなたが頑張ればあなたの大切な人が幸せになるんだから。月の美しさで揺らめく海の水と汚い魅力で波立つ私たちとを比べたら、海の水に失礼ね。
allez voir, c'est pas terminé. Le jeu est très très long à se mettre en place, mais bon, c'est un jeu très poétique, donc faut aimer quoi. Hein. C'est pas que un RPG, c'est philosophique, poétique, etc. etc. Vous allez voir, le jeu est très très bien quand même, c'est juste qu'il faut être patient pour le temps que ça se mette en place.何か心地よい夢を見ていらっしゃるのでしょう。さあ、それはよかったわ。このまま回復に向かってくれれば、なおのこと良いのですけれど。人は死の直前に穏やかな夢を見ると申します。何をおっしゃるのです。縁起でもない。申し訳ありません。ただの迷信であってくれれば良いのですが。 Frédéric. Commencer à jouer un petit peu maintenant. On va nous expliquer. Les phases de combat. On a coupé la parole. Connasse. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Je vais regarder dans le menu. Polka. Comme par hasard. Donc, comme dit Lovin Yoshi tout à l'heure, le jeu est aussi très musical, mais si on part du fait que le jeu, il y a pas mal de philosophie dedans, est-ce que la musique dans le jeu n'est pas considérée comme de la poésie? Maintenant, on part dans un sujet très vague qui est tout ça, quoi. Philosophie, enfin... Dans le jeu, il faudra s'accrocher. Donc premier combat, qui est obligatoire, on va nous expliquer un peu ce qui va se passer pendant les combats. Parce que c'est un RPG qui a son système de combat vraiment, comment dire. Il a un skill particulier, alors moi je connais comment on joue, mais pour que vous compreniez bien le système de combat, ben, je vais suivre le didacticiel, tout simplement. Donc là, elle nous explique que voilà, c'est à son tour d'attaquer, que c'est du tour par tour, mais pas que. C'est du tour par tour, mais comme vous pouvez le voir, comme elle l'explique maintenant, quand je me déplace, la jauge à gauche, elle descend, et quand je suis mobile, elle arrête de descendre, si je me souviens bien. Et une fois qu'elle est descendue au maximum, bah, ce n'est plus mon tour d'attaquer. Ça veut dire que je peux attaquer autant de fois que je veux, tant que la barre n'est pas vide. Donc je peux attaquer ou me mettre à l'abri, hein. Voilà, là, elle nous explique que quand elle tape, la jauge descend aussi. En fin de compte, à chaque action qu'on va faire, la barre va descendre. Et donc, quand je touche un ennemi, la barre remonte un petit peu. Ce qu'elle nous dit à l'instant, il est temps d'essayer d'attaquer. Allez, merde. Voilà, elle dit que là en gros on va en prendre plein la gueule. Et normalement on peut se contrer. On peut se protéger ou contrer. L'ennemi a pas l'air de vouloir attaquer. Vive le tutoriel. Je suis désolé pour ce petit bonhomme, mais je dois l'acheter. Donc il y a un truc aussi dans le jeu qui est vraiment intelligent. C'est-à-dire qu'on a des pouvoirs magiques et
quand en fait on est au soleil, on a des pouvoirs de sacre ou sacré, je sais pas comment dire. Et quand on est à l'ombre, on a des pouvoirs obscurs. Donc par exemple avec Polka, quand on est à la lumière, c'est pour se soigner, et dans l'ombre, pour faire des dégâts. Ce qui est vraiment au niveau gameplay intéressant. Et ça, ils vont nous l'apprendre plus tard dans le jeu, mais on peut déjà faire des sorts dans la lumière et dans l'ombre si on le souhaite. Ouais, maintenant faut rien oublier, ça c'est clair, parce que si on n'est pas attentif au début du jeu, c'est assez compliqué après à récupérer la main. Par contre, y a des moments dans le jeu où je vais devoir XP un petit peu, par exemple avant le premier boss du jeu. Allez, prends ça. Ouais, les combats sont faciles au début. Le menu, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, hein, ça je pense que vous avez compris à quoi ressemblait le menu du jeu. Ce qu'il en ressortait plutôt. Donc pour le moment on incarne Polka, mais vous allez voir que dans le jeu on va incarner des différents personnages à certains passages du jeu. Le jeu ressemble à Tales of Vesperia, je trouve. Pour revenir un peu à l'anecdote, le jeu était sorti sur Xbox 360, je crois que c'est un des premiers RPG sortis en Europe sur Xbox 360. Et le jeu est sorti un an ou peut-être deux ans après sur PlayStation 3 avec du contenu supplémentaire. Et donc moi je l'avais terminé sur Xbox 360 ce jeu. Et du coup à travers ce let's play je vais découvrir avec vous le contenu supplémentaire qu'ils ont rajouté au jeu. Donc apparemment l'introduction est différente d'après ce qu'a dit Lovin Yoshi sur le chat là, j'ai vu hein, j'avais rien dit mais j'ai vu. Peut-être qu'au niveau des cutscenes aussi on a des trucs en plus. Baisse un peu le son du jeu ST. Ah d'accord, je vais faire ça tout de suite. Hop, voilà. Est-ce que j'ai suffisamment baissé ou non? À vous de me dire. Donc pour revenir, donc là on fait la version PlayStation 3 avec le contenu supplémentaire et je ne sais pas du tout ce qui a été rajouté au jeu. Donc ce sera aussi une surprise pour moi de découvrir ça. Dans le jeu, tout est question de timing aussi. Ah merde, je l'ai pas eu. Ce qui va m'attaquer. C'est comment déjà pour contrer ces carrés normalement? Ah non, c'est rond. Depuis tout à l'heure, j'ai sur carré, mais c'est rond. Faut que je baisse encore le son du jeu. Ah. Un peu trop fort alors. Est-ce que maintenant c'est mieux? C'est bizarre, depuis le début personne ne se plaignait et là d'un coup pourtant je l'ai pas augmenté le son du jeu. Après 25 minutes de stream. Allez, on va bouffer l'écureuil. Non. Oh. Je crois que c'est avec les phases de combat, le son est plus fort. Ah, peut-être bien. Peut-être que je baisse le comment dire, l'audio du jeu, les musiques. カフ薬今時カフ薬なんてまだ売っていたんだ。でも今は航空薬があるしね。悪気はないがね、娘さん。カフ薬は今時流行んないよ。
誰も送ってくれないんだ。なんですか。なんなんだよ。そっちがいけないんじゃないですか。てめえがぶつかったんだろう。だってあなた、大丈夫ですか？触るな。俺に触るなよ。かっこいい。キラキラしていたよ、お母さん。ダメよ。こっちに来なさい。いい？今度キラキラを見ても近寄っちゃダメよ。どうして？どうしても。さ、行くわよ。Bon, alors il y a un coffre en face, je vais aller le prendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Enfin, pour le moment, Polka, on peut la considérer un peu comme Estélise, hein, comme vient de le faire Lovin Yoshi. Les personnages sont vraiment... Enfin, l'univers aussi est très différent. Parce que Estélise, bon, dans Eternal Sonata, on a l'habitude de voir de la magie, etc. Mais là, dans ce jeu, la magie... signifie la mort, si je me souviens bien. En gros, les gens qui sont capables de faire de la magie sont sur le point de mourir, ou sont maudits, du moins. Si je me souviens vraiment bien de ce qui se passe au niveau de l'histoire. Ah, j'ai réussi à le contrer. Soigner un peu. Il va reculer. Il va prendre. Alors, il y a un truc qui est bien fait, c'est que, par exemple... on peut pas parer les coups si l'ennemi nous tape dans le dos, et inversement. Oui, exact, les monstres aussi changent dans la lumière et dans l'ombre. J'avais oublié ça, mais c'est vrai. C'est exact. Enfin, l'univers est vraiment très différent d'Eternal Sonata. Ah, t'approches pas, toi, je peux pas... Est-ce que je prends le contrôle? Ouais, c'est bon. Allez hop, essaye de me soigner un petit peu avant la fin de mon tour. Voilà, qu'est-ce qu'il fait lui? Il pète un plomb. Ah, je vais me mettre dans l'ombre pour vous montrer en fait l'attaque obscure, voilà. Qui est assez stylé, mais vous verrez plus tard dans le jeu, on aura de différentes attaques. Sinon, je voulais vous demander, parce que là, depuis le début, je vous ai pas demandé, mais au niveau de la qualité du stream, de l'image, etc., est-ce que c'est correct ou est-ce que c'est dégueulasse? Je pense que si vous me dites rien, c'est que c'est plutôt correct. Donc on arrive dans la villa de Estélise. Donc là je dois aller chez moi, si je me souviens bien. C'est cette maison là. C'est bon, bien sûr, j'ai testé le jeu un petit peu avant de faire ce live. J'ai été jusqu'au premier boss. Donc je sais un peu comment... Enfin, j'ai des bons souvenirs du début du jeu, du moins. お帰りなさい、ポルカ。疲れたでしょ？温かいシチューができているわよ。
さんは私に触れたくない。リタルダントで魔法を使ったのね。どうしてみんな私を避けるの？触れたら病がうつると思っているのよ。実際にはうつることはないのに。それを証拠にこんなに近くで暮らしているのに私にはうつらないじゃない。私、病気で死ぬのが怖いわけじゃないの。ただみんなと仲良くできないことが悲しくて。ポルカ、là il va y avoir encore pas mal de blabla, donc je vais couper mon micro. あんなの朝飯前さ。当たり前だよ、朝ごはんなんだから朝飯前に取らなくちゃね。バーカ、さあ早く配ってやろうぜ。腹減らしてるだろうからな。うん、でも別に嫌だな。そりゃみんな用水路の奥で生活しているんだ。ネズミの一匹や二匹いるさ。しかもこんな焼きたてのパンを持ってるんだぜ。ネズミじゃなくても欲しがるってもんだ。襲われちゃったらどうしよう。ネズミぐらいでビビるなよな、ビート。この前だって俺がやっつけてやっただろ。うん、それにちゃんと家に住んでるような恵まれてるやつにはパンを配る必要はないだろ。Le nom des villes, ça va être compliqué. Hein. Ridardando, nom de ville à chier. Donc là, on incarne, je sais plus comment il s'appelle, Allegretto et son petit frère Piccolo. Donc ils vivent apparemment dans les égouts. Hein. Ce sont des enfants un peu perturbateurs, apparemment. Ils me font penser un petit peu à Justin et Sou de Grandia. Ouais, enfin les partitions et les autres trucs, Lovin Yoshi, ça reste des trucs secondaires, hein, donc je sais pas si je le ferai. On se retrouve dans DBZ, oui, avec Piccolo. En fait, Piccolo, c'est un instrument de musique, je crois. C'est pour ça. Donc là, c'est un second tutoriel. De Piccolo, c'est Beat. Ah bon? Ah bah ça, je savais pas. Donc on va suivre les didacticiels, hein, pour que vous compreniez bien les bases du combat. Étant donné que le jeu, comme je me répète, mais il a vraiment son système à lui, qui est assez innovateur. Donc voilà. Déjà, on n'a pas un inventaire extrêmement grand, comme vous pouvez le voir. Donc là, il nous apprend à utiliser un objet. Rien de bien compliqué.
Et donc il nous apprend à utiliser les attaques spéciales que j'ai déjà utilisées tout à l'heure. Et là ils nous disent aussi, enfin oui, ils vont nous dire que quand on est dans la lumière ou dans l'obscurité, eh bien nos attaques changent. Donc ce que je vous disais tout à l'heure. Blablabla. En fin de compte, j'aurais peut-être pu passer ce tutoriel. Oui, c'est ça, tu es trop intelligent, Piccolo. Piccolo, c'est une petite flûte, ok, rock pur. Merci. Voilà, clair et d'autres temps, blablabla. Bon allez, il faut combattre. つまり日向とか明るいところでは光の必殺技が逆に日陰みたいな暗いところでは闇の必殺技が出るってことだ。よし、今回はこれで終わり。行くぞ、ビート。 Allez, c'est parti. Alors, Piccolo, c'est un peu le Yuri de Tales of Vesperia. Au niveau des combos, tout ça. Donc voilà, maintenant on incarne ce second personnage. Vous allez voir que l'histoire d'Allegretto est aussi pas mal. Mais j'espère qu'avec le contenu supplémentaire de la PS3, on va en apprendre beaucoup plus sur le jeu. Je vais essayer de me renseigner sur ce qui a été rajouté. Et puis lors du prochain live, je vous ferai part de mes recherches. Pas mal d'ennemis là. Voilà. Hop. Alors, on peut prendre les ennemis en photo. Et j'ai discuté un petit peu sur Skype avec Lovin Yoshi. Et il me disait qu'en fait c'était pour avoir de l'argent facilement. On peut échanger les photos contre de l'argent. Donc. Prenant les boss en photo plus particulièrement. Donc on verra ça au moment venu. À l'heure actuelle, je crois pas que ce soit vraiment utile. Alors comme vous avez pu le remarquer aussi, on n'a pas de MP, on n'a que des HP, ça veut dire qu'on peut faire des attaques magiques autant de fois que l'on souhaite. Ce qui n'enlève pas de la difficulté au jeu, hein, parce que vous verrez, il est assez difficile, surtout dans les combats contre les boss. C'est pour ça qu'il va falloir XP et faire des petites phases de leveling comme ça. Par contre là je sais pas trop où je dois aller. Je suis déjà paumé, ça commence bien. Ah, ça doit être par là. Voilà, c'est ça. Bah en fait, si tu veux Lovin Yoshi, je sais que avant le boss, il y a un point de sauvegarde. Et les ennemis qui sont là nous donnent pas mal d'XP. Donc du coup j'ai peut-être pas forcément besoin d'XP et en plus le premier boss n'est pas avec Allegretto et Piccolo. Il est avec Polka et un autre personnage qui va arriver plus tard. Donc voilà. avec ces deux là, pour le moment j'ai pas besoin de XP. Putain, j'ai vraiment un mauvais timing. Allez, meurs le rat. Voilà. Piccolo est lent par contre au niveau des attaques. Ouais. Après il fait plutôt des attaques à distance. Quoi que je dis peut-être des conneries. Je sais plus trop en fait. Je ne sais plus. Ah non, t'as raison Lovin Yoshi. C'est le gros rat, le premier boss avec Allegretto et Piccolo. Mais il est tellement facile en fait que je trouve que c'est pas vraiment un boss.
trouve que c'est le boss le plus facile à battre dans le jeu. Ah bah voilà, il fait des attaques à distance. C'est bien ce qui me semblait. Allez, putain, est-ce qu'il va avoir le temps de... C'est bon, j'ai réussi à contrer. Donc comme vous le voyez, c'est rare une petite lumière au bout de la queue. Merde, qu'est-ce que je fais? Et donc ça leur permet de nous forcer au corps à corps de faire des attaques de lumière. Voilà, on monte de niveau. Donc voilà, très basique au niveau de l'affichage du menu des niveaux, donc j'ai rien besoin de vous expliquer à ce niveau-là, en tout cas je l'espère, sinon c'est qu'il faut s'inquiéter. Ouais, j'ai trouvé un levier, il reste à l'actionner. Alors il y a très peu de texte à lire dans le jeu, je trouve qu'il y a beaucoup de dialogues qui sont doublés. Alors c'est pas plus mal pour moi, ça me permet de pas trop lire et voilà, de profiter du jeu. Mais pour vous, ça peut être peut-être un peu chiant de tout le temps entendre les voix des personnages, je sais pas. Est-ce que vous préférez que je vous fasse la lecture ou entendre les personnages du jeu discuter entre eux? Je pense que ça peut être mitigé. Il y en a qui peuvent préférer m'entendre et d'autres entendre le jeu. Par contre, je trouve que sur la PlayStation 3, les sauvegardes... Enfin, on met beaucoup plus de temps à sauvegarder sur la PS3 que sur la Xbox. Sur la Xbox, c'est quasi instantané et là... faut attendre, hein. Déjà 37 minutes de jeu, quand même. Les cinématiques ont pris beaucoup de temps. Voilà, premier boss. Donc c'est dommage qu'on n'a pas les sous-titres de ce qu'il dit avant le combat là. Je crois que je lui ai fait bien mal. Voilà. J'en profite pour prendre une photo vu que c'est un boss. Je suis les conseils de Lovin Yoshi au niveau des photos. Donc, je crois que la stratégie là à prendre contre ce boss, c'est de tuer les petits rats avant de s'occuper du boss. Merde. Ça fait pas mal de dégâts, hein. Salut. Oh, ça va, j'arrive à toucher les deux en même temps. Faut faire un max d'un coup les photos. Ah bon, je savais pas, je crois qu'il y avait des pellicules qu'on devait recharger, etc. C'est pas grave. Prendre des photos max d'un coup. T'es sûr de ça, hein? J'espère que c'est pas un troll. Oh là là, je suis dans la merde. J'espère qu'il va pas tarder à crever. Mal, je vais me soigner. Voilà. Il veut pas mourir. Hein. Allez, meurs. Merde.
Ouais, tu voudrais pas mourir s'il te plaît, Laura. Ah, voilà. Ah non, il est pas bon. Le tir rapide. Merde. Heureusement que j'ai pas mal de poudre florale sur moi au début du jeu. Voilà, on l'a eu. Heureusement que je me suis pas fail quand même dès le premier boss, ça m'aurait foutu un peu dans la merde. Un peu la honte sur moi si j'aurais perdu directement comme ça.兄ちゃん、なんでパンがこんなに高いんだろう。もう少し安かったらちゃんと買えるのに。パン屋のおばちゃん、儲けすぎじゃないの？そうだな。でもパン屋のおばちゃんが悪いわけじゃないんだぜ。え？そうなの？パンが高いのはパンにかけられている税金が高いからさ。 バーナーで、ビタルダントでは生活に必要なあらゆるものに高い税金がかかってる。そのせいでその日の食べ物もない子供たちがたくさんいるんだ。だから僕たちが必要なんだね。まあ無税なのは高風薬ぐらいなもんだな。そうか、だから高風薬だけは誰でも安く手に入るんだね。 ポルテリオの伯爵もいいとこあるじゃん。薬の税金だけでも安くしてくれてるんだから。それにパンは僕と兄ちゃんでいただけるしね。いいと、あんまり不用心なこと言うんじゃないぞ。 早く全部回っちまおう。俺たちも朝飯だ。ポルカ、どうしたの？部屋に閉じこもったきりで。まったくしょうがない子ね。昨日のことが気になってるのね。 ところで兄ちゃん、昨日生放置会今日はいなかったな。ああ、そうだな。僕、写真撮っとけばよかったよ。お前まだそんなもんやってんのか？直接目で見ろよ、ビート。ひん曲がったガラスを通して見るよりよっぽどはっきり見えるぞ。 写真はそんなもんじゃないよ。それにひん曲がったガラスじゃなくてレンズって言うんだ。でもかわいそうに、あの子の命はもうそんなに長くはないな。え？何それ？どういうこと？
お前知らないのか？魔法が使えるってことは不治の病に侵されている証拠なんだよ。不治の病？そう、つまりもうすぐ死ぬ人しか魔法が使えないってことさ。へえ、そうなのか。じゃあ魔法が使えてもあんまり嬉しくないな。そうだな、病気になんなきゃ魔法が使えないなんてな。世の中うまくできてるもんだぜ。そうか、だからみんな近寄りたくなかったんだね。病気がうつったら大変だもん。ああそうだ、でも本当は触ってもうつらないんだぜ。あんなのは誰かが流したデマだ。デマ？そうさ、いつもは人の言うことなんて信じないくせに、自分に災いが降りかかるとなるとデマだろうが何だろうが信じてしまうのさ。その代わり自分の利益にならないことは無関心。たとえ他人の食べ物がなくても自分の食べ物があればそれでいいのさ。だから僕たちがパンをやってるんでしょ。よしビート、明日の朝出発するぞ。え？Une heure de jeu, ils vont afficher le logo Eternal Sonata et nous présentent ceux qui ont participé au développement du jeu. Ça veut dire que l'histoire va vraiment commencer à partir de maintenant. Donc accrochez-vous, c'est parti. じゃん、僕ワクワクして眠れないよ。それにまだ寝る時間にはずいぶん早いし。困ったな、外で星でも見てこよ。Désolé, mais si je commente pas beaucoup, c'est que le jeu m'en empêche un peu. si ça peut déranger certains qu'il y ait des gros blancs comme ça. Mais bon, on n'a pas trop le choix.
りがこれだけ明るければ仕方ないか。Des voix, ça va gâcher le moment, étant donné que le jeu est très poétique. Je veux vraiment que vous preniez conscience de l'histoire. J'espère que ça vous plaît pour le moment. Et ça va reparler, donc je recoupe. リタルダントの夜景が綺麗ね。そうかしら。なんだか子供の頃に見た夜景の方が綺麗だったような気がするな。思い出は美しくなるものよ。今だって十分綺麗じゃないの。夜更かしすると悪い夢を見るわ。ほら、もう寝ましょう。本当に昔と変わってないのかしら。本当に。Eternal Sonata, il était temps. そうです。昔はもっと綺麗だった。あなたは世の中に流されない心があるようですね。あなたは誰？どうしてこんな夜遅くにここにいるんですか？世の中にあるすべてのものは少しずつ色あせていきます。その場にとどまることはとても難しいのです。すべてが少しずつ移行していくから、実際には誰も気づかない。フレデリックが見ているのは本当に夢なのでしょうか。夢と現実なんて相対的なものではないのかしら。なぜそのようにお思いになるのです。いえ、ただフレデリックの寝顔を見ていたら、なんとなくそんな考えがよぎったのです。そうですね。ショパン様が見ていらっしゃるのは夢ではないのかもしれません。夢と現実の区別はご本人しかできません。目をつむっているからといって夢を見ているとは限らないのです。もしご本人が向こうの世界を現実だと思ったのなら、その時は。もう私たちの現実には戻ってこない。うん。ショパンさんも魔法が使えるんですか。じゃあ、私と同じで、そんなに長くは生きられないんですね。そうです。確かにその通りかもしれません。それで、どんな魔法が使えるんですか？大体どんな魔法でも使えますよ。これは私が見ている夢の世界なのですから。
さんっておかしな人。本当です。これは私の夢の中で、君だって私の頭の中で作り出した人物なのです。そうですね。だったら今私が考えていることがわかりますか？もしこれが本当にあなたの夢の中の話なら簡単ですよね。簡単です。もう人前で魔法は使いたくないって考えていたのではありませんか？誰しも傷つきたくはないですから、無理もありません。ねえショパンさん、この森の奥にあなたに見せたいものがあるの。一緒に行きません？え？森へ？今からですか？そう、夜に行かなきゃ意味がないのよ。Direction la forêt avec un homme inconnu. C'est un peu bizarre leur histoire. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, le jeu pour le moment nous amène à croire que nous sommes dans le rêve de Frédéric Chopin. Donc il est dans une espèce de coma, hein, on peut dire ça comme ça. Dans la réalité, il est malade. Et donc, est-ce qu'on est dans, dans son rêve ou pas? Eh bien, le jeu nous le dira plus tard. Je ne veux pas vous spoiler l'histoire. Et en plus, je ne me souviens plus exactement de tout. Donc on verra bien. Et donc on est dans la fameuse forêt. Là où je vais devoir XP un petit peu, je pense, pour battre le premier boss du jeu. Mais, enfin le premier boss difficile du jeu. Forêt des miroirs du paradis. On va se battre contre des cygnes, des canards, je sais pas c'est quoi. Truc bizarre. Et je vais essayer de fouiller toutes les zones par la même occasion, enfin de récupérer tous les coffres, etc. Déjà un premier coffre. Chapeau blanc vénéneux. Est-ce que c'est un équipement pour un de mes persos? Apparemment non. Des canards tichots. Ouais, peut-être, ouais. Sauf que là, ils sont un peu bizarres. Allez, Chopin. Alors là, les deux personnages ont des sorts pour se soigner. Comme vous pouvez le voir, pour me soigner. Il attaque assez vite, lui. Allez, merde. Bon, on monte de niveau. C'est vrai qu'avec Polka, j'avais pas encore eu l'occasion de monter de niveau. Et j'ai pas fait beaucoup de combats avec elle. Alors là, vu que c'est bientôt mon... Enfin, que quand je vais arriver en face de lui, je vais avoir peu de temps pour attaquer. Je vais plutôt me mettre à couvert. Ce qui va forcer l'ennemi à faire le tour. C'était complètement inutile en fait. Tant pis. Allez. Alors ce sort est assez stylé, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Allez, on arrive à le buter. Voilà. Alors Chopin, il monte encore 100 points d'expérience pour monter de niveau. Hein. C'est écrit en dessous leur barre d'énergie. Donc tout est simple. Enfin, le menu est très très simple à comprendre. Hein. Ça, y a pas grand chose de compliqué dans le menu du jeu. Mais là, faut vraiment que j'XP. Pas de choix. Merde.
pas du tout ça que je voulais faire. Profiter pour soigner tout le monde du coup. On protège avec mon parapluie. Tout est normal. Allez. Merde. Lui est Mazurka. Mazurka, c'est un personnage qu'on trouve dans une plaine, c'est ça? C'est une nana. Je sais plus. Je me souviens plus trop vraiment du jeu. Hein. J'en garde un excellent souvenir, mais après, c'est vrai que le scénario est tellement complexe que c'est difficile de garder tout ça en mémoire. J'essaie de vraiment fouiller toutes les zones là. Apparemment l'ennemi est seul, donc je vais plutôt reculer. J'aurais peut-être dû reculer et attendre qu'il avance vers moi plutôt que de l'attaquer. Ah merde. Putain, il a fait mal le con. Ah non, ils sont deux. Berk FF13. Ok. FF13 en pur. Oh là là, il m'a contré tous mes trucs. Salopard. Bon, je vais me mettre ici, moi. On va essayer de soigner quelqu'un un maximum. Ah merde, elle est trop loin. Je vais essayer de me soigner ici. Merde. Ah bah oui, il va m'attaquer dans le dos. Je vais pouvoir me protéger. Voilà. Un peu mieux comme ça. Donc vous voyez, les ennemis me donnent 100 points d'expérience par combat, donc pour monter de niveau, ça va être très 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 facile ici. C'est pour ça que j'XP pas avant. Parce que je savais que dans cette zone, ça allait être intéressant au niveau des points d'expérience qu'on allait recevoir. Trompette d'ange. Je sais pas vraiment à quoi ça sert ça pour le moment, on va regarder dans le menu. Objet. Alors, trompette d'ange, je récupère des chaos. Ok, c'est une queue de phénix en fait, comme dans Final Fantasy. D'accord, d'accord. Et c'est un cul-de-sac aussi. Bon. Bah merde. Ah, ça va être par ici que je dois aller. Je sais pas du tout. Ouais, du coup, je vais aller, moi, récupérer le coffre qu'il y a en bas là-bas. Fallait monter pour lier un coffre et pour avancer, mais vu qu'il y a un chargement, je pense que c'est par là que je dois aller normalement. Donc, on va attendre un petit peu pour vraiment fouiller un maximum de zones. Si je tape pas dans le vent, ça pourrait être bien. Je vais pas pouvoir me protéger. Alors, on tourne le dos donc. Forcément, on prend des dégâts dans la gueule. Voilà, c'est bon. Là, je vais pouvoir me protéger. Alors, quand on leur tape dans le dos, vous pouvez voir, hein, beaucoup plus de dégâts aussi. Voilà. Donc au prochain combat, logiquement les deux persos montent de niveau.
Je crois que si t'appuies pour parer les attaques, ton perso peut se tourner vers l'ennemi et tu peux le protéger par la suite. Ah bah écoute, il va falloir que je teste. Je ne sais plus. On va tester tout ça, on verra bien. Encore un coffre ici en haut. J'aime bien à chaque fois, je fais un petit sort de soin le temps qui me reste. Au niveau du. Faut avoir un très bon timing en fait. Hein, parce que là, vous voyez que j'avais plus de temps pour frapper. Et si j'appuie sur la touche pour lancer une magie, eh bien, j'ai suffisamment de temps pour lancer un dernier sort de soin. Une attaque. Ah merde. J'étais trop lent. Voilà, voilà, on monte de niveau petit à petit. Je pense que le boss, je devrais être niveau 5 pour être assez tranquille pour le vaincre. Enfin, on verra bien, hein, mais il me semble que c'est ça. Ombrelle de marché. Ça doit être une arme pour Polka. Ouais, alors 24 à 26, ouais. Ça va. On augmente les stats petit à petit. Et je crois que dans ma première partie, j'avais pas récupéré de nouvelles armes. Donc c'est déjà un petit avantage comparé à ce que j'avais fait pendant mes tests. Allez, Chopin. Arrête de choper. Ouais, tout ça. C'est même pas une blague. Ça devrait même pas s'appeler une blague. Il est où le mec? Ah, il est là-bas. Bon, Chopin, il monte encore de niveau dans le prochain niveau, dans le prochain combat. Arrête de regarder Dora, là, ça se voit. Franchement, il n'y a même pas besoin de regarder Dora pour connaître ce truc. On en a entendu tellement parler de ce dessin animé pourri. C'est comme le Halo, quoi, t'es pas obligé de regarder... Les anges de la télé-réalité pour connaître ce truc complètement à chier. Tellement ça fait du buzz, si on peut dire ça comme ça. Hein, y'a quoi ici? Où est-ce que je suis là? Bon. Chapeau blanc vénéneux. Mais tout à l'heure, j'en ai ramassé des chapeaux comme ça, mais c'est pas pour mes persos. Bon, ouais, de toute façon, j'ai pas de choix. Allez, s'il te plaît, tu l'utilises. Ah, j'ai touché les deux. Je m'y attendais pas, ça. Ça sert à rien. Heureusement qu'on n'a pas de MP dans le jeu, parce que j'en gâcherais pas mal, je pense. Merde. Pour le moment, Polka fait plus de dégâts que Chopin avec son parapluie pourri. Pourtant, je crois qu'elle a un niveau de plus que Chopin. Ouais, je vais regarder dans l'inventaire l'Obenyoshi, exact. Ah, chapeau. Ennemi seul, 70% de risque d'empoisonnement, champignon blanc. Ok, donc c'est un objet
d'altération d'état sur les ennemis. Apparemment, ça touche qu'un ennemi. Allez, prends ça. Ah, ça commence à être intéressant là, les combats. Que je peux les tuer très facilement maintenant. Par contre, là, j'aurais pas le temps d'aller l'attaquer. Allez, prends ça dans ta tronche. Ah, j'ai cru qu'il en reste encore un, j'ai eu peur. Bon, il y a quoi ici? Je vais ici ou à gauche? Ah, si je me souviens bien, le boss est pas loin. Donc on va aller plutôt visiter ce qu'il y a sur la droite. Il me semble qu'il y a un coffre par là. Et après, ce sera le boss. Et une fois que j'aurai battu ce boss, je crois qu'il y aura un peu de blabla et j'arrêterai là ensuite, je pense. Pour pas faire un live trop long, en plus on est dimanche, donc voilà, lundi faut être en forme, faut dormir les gens. Yeah, prends ça dans ta tombe. Au niveau de mes niveaux, ça monte plutôt vite. Je suis un peu content de ne pas vous faire subir des petites phases d'XP là, comme j'ai eu à faire lors de mon test. Ah, le coffre. Vous savez bien qu'il y avait un coffre ici. Collier en cuivre. Alors, collier en cuivre. Défense 25. Ouais, ils ont tous les deux pareil en défense. On va le mettre à Polka. Le Frédéric a pas mal... Enfin, son sort de magie, je le trouve très intéressant parce que je le trouve qu'on peut l'effectuer plus rapidement que le sort de soin de Polka. Donc, du coup, il a peut-être moins besoin de défense. Vu comme ça dans ma tête, quoi. Vu qu'il peut se soigner plus vite, il a moins besoin de défense. Voilà. Allez, je m'en mêle les pinceaux. Ils peuvent rien faire maintenant, les canards là. Ils les enchaînent très rapidement. Allez, viens là, le canard. Est-ce que je vais le one-shot? Ça va hyper rapidement maintenant. Lui, par contre, ouais, non. Alors ici il y a rien à récupérer, pas de coffre. Bon, il y a le fameux point de sauvegarde avant le boss. Et ensuite je vais battre le boss, je vais attendre qu'il y ait du blabla. Et puis au prochain point de sauvegarde j'arrêterai. Peut-être qu'il reste une demi-heure, trois quarts d'heure de live, je ne sais pas. Tout dépendra de là où se trouve le prochain point de sauvegarde, hein, tout simplement. Nous verrons bien.
Là, il y a Obélix qui arrive. Il dit c'est mon sanglier. Ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la merde un peu, beaucoup. D'accord. Voilà, c'est fail. J'ai fait n'importe quoi. Je crois que je vais nous soigner. C'est qui fait mal ce porc. Allez, soigne. Dépêche-toi. Allez. Voilà, c'est bon. Salut Justin. Et salut ceci. Occasion. Ah. Par contre là, me mettre comme ça autour de lui, pas quelque chose de bien à faire, étant donné qu'il a des sorts de zone. Ah putain. Là, je suis concentré sur le boss. Allez, crève. Putain, il a pas mal d'HP, hein, ce... cet enfoiré, là. Putain, je te mets une sonde anale dans ce fou. Ah, putain. Vraiment avoir un sacré timing, n'empêche. Allez. Ah putain. Oh, j'ai été trop tôt. Je me soigne là rapidement. En fin de compte, le boss est pas si difficile que ça, étant donné qu'on a assez de temps pour se soigner, mais ouais, pendant mes tests, j'avais un peu galéré. Ouais, il fait quand même pas mal de dégâts, ce salaud. Ah ouais, je l'ai vu. Et Polka va monter de niveau et on a ramassé un bambou, donc ça sera sûrement une arme pour Chopin. J'ai un peu fail, ouais. Niveau groupe 2. Alors, qu'est-ce que c'est que le niveau de groupe? Donc, en gros, comment vous expliquer ça? Bah, je vais vous lire la description, tout simplement. Les mouvements sont désormais comptés en temps réel. Le chrono se déclenche dès le premier mouvement et ne s'arrête plus, même si l'on reste immobile. Voilà, que ce soit pour moi ou les ennemis, il me semble.夜になるとこの辺りも危険ですね。森の動物たちも昔はこんなに凶暴じゃなかったのに。そういえばまださっきの答えを聞いていませんでしたね。ま、私が想像した物語ですから。私が間違うはずがありませんが。 ショパンさん、そろそろ時間です。急いで。
ああ、ちょっと。ショパンさんに見せたかったのは、この花です。花？ほら、今咲きますよ。まるで草原に星空を映したかのようでしょ。もうこの森でもここにしかないの。この花はね、昼間は絶対咲かないの。太陽が高い間はずっとつぼみのままで葉から光を吸収している。そして夜にその蓄えた光を放って咲くんです。いつも決まって午前2時ぴったりに。美しい。まったくなんて素晴らしいのだ。別名シトウカ。シトウカ。光の精に対して闇の負。陽は命を与えるが、陰は死をもたらす。経典歌と呼ぶか死闘歌と呼ぶかはショパンさんの自由です。でもそうね、死闘歌と呼ぶ人の方が多いのかもしれないわ。この花は普通の花とは正反対だから、昔の人は死に導く灯火に見えたのでしょう。今でも嫌う人がたくさんいるわ。いわゆる縁起の悪い花。まるで私のよう。あ、確かショパンさんはこれは自分の夢の中だっておっしゃいましたよね。でも夢の中でこれは夢だってしっかりと実感できるくらいなら、そんなに夢の中が現実的なら、もうどっちが現実かわからないわ。それを証拠にあなたの魔法は通じなかった。え？私はテヌート村を出ようと考えていたんです。私は私の意志で行きたいの。たとえあなたの夢の中であったとしても、私の命があとどれだけ続くかは分からないけれど、この命をみんなが喜ぶことに使いたい。みんなの力になりたいんです。人々から死闘家と呼ばれても懸命に生きているこの花のように。村を出る。村を出てどこに行くつもりです？フォルテ城に向かいます。そしてフォルテの伯爵様に花粉薬のことをお願いするんです。今のままでは村のみんなが大変だもの。でも外れでよかったじゃないですか。魔法が使えないんなら不治の病ってわけでもないんですもの。
今日はうちに泊まっていってください。母さんに頼んでみます。夢の世界へのお客様ですもの。こんなことはめったにないわ。Vous plaignez des cinématiques, mais vous n'étiez pas là au début du jeu, avec une cinématique de plus de 15 minutes, voire 20. Gengi no warui hana. Shitouka. ちゃん、僕リタルダントを出るのは初めてなんだ。ワクワクしてるんじゃないぞビート、これは遊びじゃないんだ。分かってるよ兄ちゃん。交付役以外の税金も安くしてもらって、リタルダントの貧しい人たちを救うんでしょ。蜂蜜たっぷりのパンとチーズ、それから毛布がみんなに平等に行き渡るようにするんだ。そうすればみんな幸せになれるからね。そうだ、偉いぞビート、その通りだ。パンばっかり盗んでたって仕方がない。もっと根っこのところを解決しなくちゃいけないのさ。そうでしょ。で、結局どこに向かえばいいの。はあ、これだからな。さっき褒めたのは取り消しだ。さあ行くぞ、フォルテ城に行って偉いやつに話をつける。兄ちゃん待ってよ。Avec Allegretto, c'est ça? Ouais. Avant de partir, nous devrions aller voir comment vont les enfants des égouts. On y était dans les égouts là, non? Si j'y retourne du coup. Je suis jamais venu ici, moi, sur la Xbox. T'as pas un fail dans la cinématique là? Non, je crois pas. Là, il y a un point de sauvegarde, mais je vais pas y aller. Il y a un coffre là derrière, là. Je viens de voir ça. Je peux pas y accéder. Quoi qu'il a, il a l'air d'être ouvert déjà. Bon, on va remonter. Donc apparemment, d'après Lovin Yoshi, il y a des photos à vendre. Donc on va essayer de fouiller ça. Par contre, les marchands, où est-ce qu'ils vont être? Ah, j'en sais strictement rien du tout. Ah, allez Greto, tu as de quoi payer. Vendre photo. Ah. Bienvenue, nous avons une photo de magasin aujourd'hui. Blablabla. Bla. On va vendre toutes les photos. Ah d'accord, on vend les photos mais on les garde quand même dans notre... notre espèce d'inventaire. 668p. À bientôt, petit. Ah ouais, quand même pas mal déjà. On va regarder au niveau des armes. Ah ouais, je peux déjà m'acheter ce qu'il me faut, quoi. Ça, est-ce que les deux peuvent s'en équiper? Peuvent s'en équiper, apparemment non. Que les gâteaux. Récupération de chaos. On va plutôt acheter ça, je pense. Ah, j'en ai 12. On va en acheter 3. Que ça fasse 15. Et là, on va en acheter 2 autres. Et le reste, on va garder pour le moment. Et je vais m'équiper des nouveaux objets que j'ai ramassés. Enfin, que j'ai achetés. Hop.
Voilà. Alors, il faut que j'aille dans les égouts maintenant. Alors, où est-ce qu'elles vont, qui vont être ces égouts? Je sais pas du tout. Ah oui, c'est vrai, bien vu, Lovin Yoshi. Comment on fait déjà? Employé, tri. Je sais plus du tout comment on fait par contre. J'ai pas enlevé l'arme que je viens d'acheter. Ah non. Donc. Option chargée. Je sais plus comment on fait pour mettre les objets dans. Bon, tant pis. On verra plus tard. Je cherche les égouts. Où sont les égouts? Ah, c'est pas ici. Oh, qu'il est trop tard ce soir, hein. C'est clair ceci. Et perdu. Trop d'informations. C'est parce que ce jeu est philosophique, du coup ça l'a perturbé. Les égouts, c'est optionnel, je crois. Bah, tant mieux, parce que comme ça évitera du blabla inutile. Enfin, du blabla utile plutôt, étant donné que je dois arrêter le live dans quelques minutes. Soit histoire de faire une petite transition avec ce qui est dans l'histoire principale et ce qui ne l'est pas. Donc, comme vous pouvez le voir, maintenant on a des étoiles en bas à droite. Et si je me souviens bien, plus on a d'étoiles et plus on fait de dégâts quand on utilise notre attaque spéciale. Si je me souviens bien de ce truc, quand j'ai un doute. Mon cerveau est en cours de chargement, veuillez patienter. Alors, les enfants des égouts. Les tortues ninja, quoi. Alors, vous permettez, les enfants des égouts, je ferais mieux de ne pas les déranger. Ah merde, je crois que c'était un coffre. J'allais les voler, moi, ces enfants des égouts. Vas-y, cure-toi le nez. Ah non, il baille. Oh, ce que je m'ennuie, j'ai envie de sortir. Allons, Reto. Ne prends pas cet air-là, je sais bien que je ne dois pas... Si on va jouer là-haut, quelqu'un va venir et nous emmener. Oh, vous quittez la ville? Eh, je peux avoir ça, je peux. Remis que de rats. D'accord. Merci, tiens, je te donne ça en échange. Un bâton. Il sert à quoi son bâton? Est-ce que c'est une arme? On va voir dans les objets, hein. Son bâton. Ah, c'est ici les objets de combat, je crois. Ouais, c'est ça. Donc le bâton, non, ce n'est pas une arme déjà. Bout de bois qui traînait. Objet précieux. D'accord. Bon. Oh, mais d'où vient le pain que vous apportez toujours? Il est vraiment bon. Et c'est pour ça que je devais aller dans les égouts. J'ai bien envie de continuer un peu en fin de compte. Hein. Est-ce que vous êtes motivé pour voir la suite ou je vous fais la suite la prochaine fois? Histoire d'avancer un petit peu dans l'histoire, quoi. Pas beaucoup, mais un petit peu.
Vous me parlez pas de pain, j'embauche bientôt. Ah, mange avant d'aller au boulot. À moins que tu sois boulanger. Je ne sais pas. Ah, ces ennemis donnent beaucoup moins d'XP que ceux qu'on a croisés avec Polka et Chopin. Enfin, Frédéric. Ah, vous pouvez voir déjà au niveau des combats, ça commence à être plus intéressant au niveau des combos qu'on peut faire. Enfin, du moins, moi je trouve ça plus dynamique que ce que j'avais au début. Et petit à petit, comme ça, le jeu va évoluer et vous allez voir que ça va être vraiment de plus en plus intéressant au niveau des combats. Et donc, pour revenir à l'histoire, vous avez peut-être, si vous avez bien suivi ce que les personnages ont dit, Polka veut aller voir le sort de roi du royaume pour faire baisser le prix des taxes, etc. Et nos deux amis là veulent la même chose, donc on va sûrement se croiser à un moment du jeu. On va peut-être voir ce soir la rencontre qu'il y a entre Polka et Allegretto. Si c'est un roi, c'est forcément d'un royaume. Oui. Bon. Arrêtez de m'embêter. Ah, les ennemis, par contre, je les bats très facilement. Alors, par contre, je sais plus si c'est en combat le nombre maximum de personnes que l'on peut contrôler, si c'est 3 ou 4. Il me semble que c'est 4, mais j'ai un gros doute. Alors. Ah, c'est 3. Tant pis. Bon, on se dirige vers, j'espère, le bon endroit. Je sais pas du tout. Apparemment, oui. そんなもん撮ってる暇があったらやっつけるの手伝えよ。ああ、またそんなもんって言ったな。写真はそんなもんじゃないんだよ。分かった分かった。後でゆっくり聞くから。さあ、行くぞ。 Forêt d'Agogo. Des gogos, des gogos. Ouais, ça apporte du fric. Ouais, c'est clair que les photos là, ça m'a mis plutôt assez bien au niveau de finances. Le niveau de notre groupe a augmenté et nous nous battons mieux. Alors, je vais t'apprendre quelque chose de vraiment important. Vas-y, on suit Didac Ciel. Ça, c'est la juge d'action. Oui, on le sait déjà, exactement. Jusqu'ici, ta juge d'action ne diminuait que lorsque tu faisais quelque chose. Dorénavant, dès que tu entameras ta première action, la jauge diminuera quoi que tu fasses. Eh, on se fait arnaquer un peu. Ça veut dire que même si tu ne bouges pas, le temps s'écoulera si on ne fait pas attention, blablabla. Quoi, pas juste, ça va être très dur de se battre comme ça. Oui, c'est vrai, et c'est là qu'entre en jeu le TT. Le temps tactique, c'est quoi? Le temps tactique est le temps qui t'est accordé en début de tour pour décider de ce que tu vas faire. Tant que tu ne bouges pas, on n'attaque pas. Tu peux rester en temps tactique.
D'accord, si je comprends bien, le temps tactique qu'on reçoit est illimité, ce qui veut dire... Oh, j'ai compris. En début de tour, il suffit de rester immobile pour avoir plein de temps pour décider de ce que l'on va faire, quand on commencera à se battre. Désormais, plus tu auras d'écho, plus tes attaques spéciales seront puissantes. Donc l'écho, je crois que c'est les étoiles qui s'affichent en bas à droite. Voilà, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hey, ta gueule! Laisse-moi jouer! Quand tu dis des attaques spéciales, tous les échos accumulés sont consommés. Donc en gros, tout part d'un coup, mais on va faire extrêmement de dégâts. Beaucoup de dégâts, j'arrive plus à parler. Oui. Ah, partage, espèce de radin. Ah, là on nous montre que les ennemis peuvent changer quand ils sont dans la lumière ou dans l'obscurité. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, hein, les ennemis allaient de la lumière à l'ombre sans changer de forme. Et maintenant, c'est le cas. Ah, merci d'être passé, le monstre. Je l'ai défoncé. Oui, il est 23h bientôt et je n'arrive déjà plus à parler. Que veux-tu ? C'est comme ça. Allez, Piccolo, tu veux dire, Robin Mushi. L'attaque à distance, ouais, c'est pas faux, mais j'y pense pas. Mais effectivement, c'est mieux. Ils sont assez nombreux là. J'essaie de prendre en photo que les boss. Piccolo, c'est un nom d'alcoolo. N'importe quoi. On va dire ça à Piccolo de Dragon Ball Z. Les rames, je les tue, mais d'une facilité. Attendez, je reviens. Désolé, petite coupure. Est-ce que je vais l'avoir celui-là ou pas? Ouais, c'est bon. On ramasse pas mal d'objets aussi, hein, pas mal de biscuits, etc. Donc ça, c'est des objets pour récupérer de la vie. Je vais éviter de me battre contre eux en fin de compte parce qu'ils me donnent très très peu d'expérience. Donc on va vraiment éviter. On va pas se prendre la tête. Par contre, dès que je vais croiser des ennemis qui vont me donner beaucoup d'expérience, du coup, je vais peut-être m'amuser à XP un petit peu.
Alors, Serpentine. Alors ça, d'après l'image, je crois que j'ai reconnu, c'était pour Piccolo. Ouais. Déjà, ça c'est cool. On récupère deux nouvelles armes. Déjà qu'on est assez, on commence à être plutôt fort là pour le moment. Les ennemis, je les bats très facilement. Regardez, ils ont aucune chance. Oh là 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 là. C'est un jeu vraiment beau. Mais en plus, le jeu est assez vieux. Hein. Il est sorti quasiment en même temps que la Xbox 360. Je le disais tout à l'heure, c'est un des premiers, enfin c'est le premier RPG sorti en Europe. Au Japon, je ne sais pas, mais sur la Xbox 360 en Europe, ça j'en suis sûr, c'est le premier RPG à être sorti. Oh putain, il fait mal ce con. Oh l'enfant, il m'a pas raté quoi. Il va falloir que j'expère un peu parce que ces grosses patates de pierre là, il va falloir faire gaffe à elles. Ils ont l'air assez puissants. Ah, un point de sauvegarde. Donc on va plutôt aller à droite. Pas de combat s'il vous plaît. Armure légère. Sûrement pour aller Gretto, ça encore. L'armure augmente l'attaque aussi, pourquoi pas. Qui toi? Ma voix intérieure me demande de capturer l'essence de ce superbe paysage, mais les splendeurs de la nature sont plus splendides que je ne l'imaginais. J'ai utilisé presque toute ma peinture verte. Parce que lui, on faudra lui fournir de la peinture. Les nuages se font menaçants, mais je ne peux pas quitter cet endroit. Ma voix intérieure m'ordonne de rester. Le tendre et la peinture commencent à me manquer. Tant d'obstacles se dressent devant moi. Les nuages sont menaçants, blablabla, ils répètent la même chose. Ah, laisse-moi tranquille. Bon. Ne m'attaque pas, laisse-moi tranquille. Ah merde. Aïe. Faut que je tue la petite patate avant qu'elle aille dans l'ombre. C'est bon. Alors, on a déjà un gros, on va essayer, on va éviter d'en avoir deux. Allez, merde, s'il te plaît. Oh là là, allez bien pour une tête. Ça commence très très bien. Voilà. Il n'y a pas de point d'XP, ce qui est normal, mais bon, il y a des jeux où... quand un personnage est mort, il gagne quand même des points d'XP. Alors, je sais que j'avais des objets pour... pour les ressusciter. Où est-ce que sont ces fameux objets? Apparemment, je m'en suis équipé. Ah merde. On peut pas les enlever. Il faudra que j'utilise en combat en fait. Bon, je vais sauvegarder. On va avancer encore un petit peu. Il a un PV. Ah bon, j'ai pas vu. J'ai pas fait gaffe. Ah, du coup.
coup, je vais peut-être me soigner s'il a un PV avec les objets que j'ai. Ah oui, il a un PV, exact. Alors, biscuit. Son paradin au niveau de l'énergie, ces petits biscuits. Deuxième, enfin, troisième boss. On va prendre des photos. Il a pas l'air gentil, hein. Putain, il est rapide à attaquer. Ah merde. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Je pensais que j'allais pouvoir monter en fait ma tête là, mais pas du tout. Ah, pas le temps de contrer. Bon. Je fais n'importe quoi. De dégâts dans sa gueule. C'est pas facile de prendre les photos. Alors, photo. Peut-être un peu trop loin là. La photo soit bien notée. Pour les photos, on prend un maximum pour se concentrer sur l'attaque après aussi. Et là, je fais n'importe quoi. Trompette d'orbite. Peut-être faire des attaques à distance aussi, ça pourrait être pas mal. Et là, corps à corps avec lui, c'est n'importe quoi. Je fais vraiment n'importe quoi. Allez. On y croit. L'attaque en fait a été modifiée parce que j'avais pas mal d'étoiles sur moi. Ah merde. Ah, je le fais trop tôt. Allez, prends là le boss. Il commence à tirer la gueule un peu.
Fais plaisir. Voilà. J'ai peur de me fail quand même. Hein. Mais ça a été. Plus de peur que de mal. On peut pas voir les PV de l'ennemi. Pour le moment, je ne crois pas. Peut-être plus tard dans le jeu. Je ne sais plus. Apparemment non, d'après Lovin Yoshi. Goutte de pluie. Il est impossible de raconter la vie de Chopin sans évoquer cette femme, George Sand. Là, je pense que c'est moi qui vais devoir vous faire la lecture. George Sand était un écrivain parisien célèbre qui avait déjà publié de nombreux livres. Son vrai nom était Aurore Dupin. George Sand n'était qu'un pseudonyme. À partir de 1838, Chopin partagea sa vie pendant longtemps, mais... Non, c'est mon iPhone qui est par terre, en fait, parce que je l'ai mis à recharger. Et quand il vibre, parce que j'ai des messages, là, il se met à faire des bruits sur le parquet. Lors de leur première rencontre, il dit à un ami, j'ai pas eu le temps de lire, « Sand se donnait une apparence masculine. Elle portait des pantalons et fumait le cigare en public. » C'est un garçon manqué, quoi. Même son pseudonyme George Sand était masculin. Effectivement, une fille qui s'appelle George, c'est un peu bizarre. Elle rejetait les pressions de la bonne société et s'exprimait sans retenue. Les romans d'amour qu'elle écrivait étaient très appréciés. De son côté, Chopin était déjà un pianiste célèbre à Paris. La liaison entre le pianiste de génie et l'écrivain célèbre devint la discussion à la mode, ce qui fit naître des rumeurs déplaisantes. Chopin était déjà malade à l'époque, et l'attention que lui portait la société n'arrangea pas son état de santé. À cette époque, Sand emmena Chopin sur l'île de Majorque afin de lui permettre de se reposer. À travers ce jeu, c'est une leçon d'histoire aussi. Afin d'éviter l'attention, ils quittèrent Paris séparément et se retrouvèrent dans un village proche de la frontière espagnole. Ils trouvèrent un logement à Majorque et Chopin vécut heureux parmi les palmiers, les orangers et les grenadiers. La santé de Chopin semblait s'améliorer, mais le temps chaud laissa la place à la saison des pluies. D'où le titre du chapitre. Chopin s'enrhuma, ce qui réveilla les symptômes de la tuberculose. À l'époque, la tuberculose était une maladie mortelle et leur propriétaire craignait la contagion, les chassa. Thank you.
Après avoir été chassé de sa maison en 1839, Chopin arriva au monastère de Valdemosa. La pluie continua à tomber dehors. La pluie tombait sans cesse et le bruit des gouttes se mêlait pour former un rythme lancinant. On dit que ce bruit présida à la création de cette œuvre dans une cellule de Valdemosa. Une œuvre créée par Chopin à l'âge de 29 ans. Le voyage destiné à lui permettre de se remettre aboutit ironiquement à l'aggravation de l'état de santé de Chopin. Mais George Sand resta à ses côtés, indifférente au risque d'infection. Un peu comme la mère de Polka. Elle fut sans aucun doute une grande source de réconfort pour Chopin. Et là, dans le jeu, il pleut du coup. Tu sais, la pluie, je vais pas lire. De toute façon, c'est bientôt la fin, Rocure. Bah, c'est la fin. Il y a un point de sauvegarde. Donc, je vais arrêter ici pour ce soir. Donc, le live aura duré à peu près 2 heures. J'espère que ce premier épisode du Let's Play vous aura plu. Et puis, qu'on verra la suite très très vite. En tout cas, merci à tous d'être passés. Et d'avoir participé au chat. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.